Le plus que parfait. Le plus que parfait est un temps du passé. Il faut utiliser le verbe avoir et être à l'imparfait plus le participe passé du verbe à conjuguer. Attention aux accords du participe passé. Ça suit les mêmes règles que le passé composé. Rappel de l'imparfait des verbes être et avoir. Être, j'étais, tu étais, il, elle était. Nous étions, vous étiez, il, elle était. Le verbe avoir, j'avais, tu avais, il, elle avait, nous avions, vous aviez, il, elles avaient. Quelques exemples. Il était en retard car sa voiture était tombée en panne sur l'autoroute. Lorsque Lucie est arrivée, Paul était déjà parti. Il voulait savoir si elle avait reçu son message. Elle avait faim parce qu'elle n'avait pas déjeuné. Maintenant, à vous. Regardez bien les phrases et conjuguez les verbes entre parenthèses. Ils étaient très contents d'arriver car ils avaient voyagé pendant 12 heures. J'ai eu mon diplôme car j'avais étudié beaucoup. J'avais économisé pendant un an, donc j'ai pu m'offrir un ordinateur. Ils étaient trempés car ils avaient oublié leur parapluie. Elle avait été à l'hôpital une semaine avant que j'aie pu la voir. Il était content. Il avait attrapé 10 poissons avant midi. Elle avait appelé Paul plusieurs fois avant qu'il décroche.
Avant d'être connue, elle avait peint pendant de nombreuses années. Il avait pris un coup de soleil parce qu'il était resté trop longtemps au soleil. Il avait mal au ventre car il avait mangé trop. Lorsque l'entreprise a mis les clés sous la porte, ça faisait 15 ans qu'elle y avait travaillé. Nous avions reçu une lettre de notre cousin le jour avant notre départ.